Hello tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va super bien malgré le confinement. D'ailleurs, c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. Ouais, nous allons parler de ce fameux confinement dans lequel nous nous retrouvons actuellement. Alors, pour en savoir un peu plus, je vous prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Depuis que le confinement a commencé, nous ne voyons que des inconvénients. Nous ne voyons que tout ce qui est négatif. Par exemple, oui, on ne peut pas sortir, il fait bon dehors, il y a le soleil, on ne peut pas en profiter, on ne peut pas aller se balader, on ne peut pas changer d'air, nous sommes obligés de rester à la maison. Mais, il y a un mais, il n'y a pas que des inconvénients à ce confinement. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que d'inconvénients. Il y a également des avantages. Des avantages dont Evan Tianga, étudiant en communication, a décidé de nous faire part aujourd'hui. Pour en savoir un peu plus, je vous prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très très bien. Cette vidéo, c'est une vidéo pour te montrer, te prouver effectivement que le coronavirus n'a pas que des éléments négatifs. Moi, je pense dur comme fer que le coronavirus également peut changer le cours d'une vie et peut également nous servir de point de départ pour améliorer notre situation. Il faudrait toujours souligner l'importance des événements positifs et optimistes. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas voir toujours le verre à moitié vide. Moi, je préfère le voir à moitié plein. Pour moi, le coronavirus a plus d'avantages que d'inconvénients. Plutôt que de rester toujours dans une logique de lamentation, une logique qui consiste à dire que ce que l'on a actuellement n'est pas bien, je préfère, je préconise même qu'il faudrait voir la vie en rose. Je peux citer comme argument le fait qu'il y ait un rapprochement avec les membres de la famille. En général, dans les situations de déconfinement ou les situations est normale, on a toujours tendance à être pressé, la vie est robotique, on a moins de temps pour s'occuper de nos proches, on est toujours dehors. Mais nous, avec ce coronavirus, on a cette situation énorme, c'est une vraie chance de rester, dialoguer avec son frère, dialoguer avec sa sœur, écouter ses parents, écouter ce que papy dit, écouter ce que mamie dit. Ça crée des liens, ça rassemble. C'est quelque chose, on peut dire, de fondamental, d'innovateur dans la logique des liens sociaux. D'un autre point de vue, il y a aussi le fait que tu as le temps, tu es seul, tu peux réfléchir sur ta vie, tu peux dire que ma vie a basculé à tel moment, quels sont les points forts, quels sont les points faibles, quels sont les points sur lesquels j'aimerais m'améliorer, quels sont les points sur lesquels je peux m'apesantir comme acquis pour pouvoir développer d'autres stratégies. Le confinement nous permet également d'apprendre de nouvelles choses. Pour parler de mon expérience personnelle, j'ai également appris durant ce confinement à faire du glaçage pour les cupcakes. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est une expérience en plus dans mon armoire à expérience. Tout le monde qui n'a pas habituellement le temps pour faire ces choses-là peut saisir l'opportunité de ce confinement pour développer de nouvelles compétences, développer de nouvelles expériences, apprendre également à faire des choses qui lui semblaient impossibles. Moi, pour parler encore de moi, dans les semaines qui viendront, je vais apprendre à faire des montages sur Photoshop et réussir à faire aussi des photos extraordinaires, ce que je ne maîtrise pas forcément. Voilà encore un point positif que l'on peut tirer de ce confinement-là. Donc, plutôt que de dire que le confinement est totalement négatif, c'est néfaste, c'est dangereux, il faut plutôt relativiser et voir qu'il y a de bonnes choses que l'on peut apprendre dans ce confinement. Si on veut ajouter à cette liste d'arguments, on peut y mettre le fait de lire. La lecture, c'est quelque chose d'impressionnant qui permet d'améliorer notre culture, notre intelligence durant ce confinement. Puisqu'on n'a rien à faire, pourquoi pas prendre de son temps et le mettre dans la lecture en lisant au fil des livres, au fil des journaux que l'on aura peut-être parcourus. On pourra développer nos connaissances, qui sait, qui pourront être utile pour l'avenir. Autre élément non négligeable, c'est le fonds de solidarité qui est mis en place. Ce confinement révèle que l'humanité n'est pas forcément méchante comme on le croit.
Il y a des personnes qui ont un cœur solidaire, qui sont totalement philanthropes. On peut le percevoir en Europe avec, à partir de 20h, des populations qui se mettent dehors pour acclamer, applaudir le personnel soignant qui se bat corps et âme pour sauver des vies. Voilà un élément très avantageux que l'on peut souligner, que l'on peut relever. Un autre argument qui vient souligner le poids de cette solidarité, c'est ces personnes qui travaillent d'arrache-pied pour fabriquer des masques. Nous sommes en période de crise, en période de guerre sanitaire, et il y a des personnes qui, avec leur bonne volonté, leur solidarité, qui fabriquent des masques pour fournir, pour aider les populations de façon bénévole. C'est pour toutes ces raisons que je pense dire comme faire que le confinement peut également avoir des effets positifs. J'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que tu vas liker et que tu laisseras tes commentaires pour que l'on puisse discuter par la suite. Passe une excellente journée, au revoir. Merci beaucoup à Yvan Tianga qui nous a fait part de ces différents points. Et vous, que vous apportez ce confinement? N'avez-vous que des effets négatifs ou bien vous avez aussi du positif dans tout ça? Surtout, n'hésitez pas de vous exprimer en commentaire.